Dioulatié-Dougou, commune d'environ 10 000 âmes, située à plus de 80 km d'Odiné, le chef-lieu de région, compte parmi les prétendants à sa gestion, bien sûr, le maire sortant, Karim Dierasouba. Il part avec les acquis du précédent mandat. En 5 ans, nous avons construit un collège, nous avons construit le logement des enseignants, nous avons construit un château d'eau, nous avons construit une gendarmerie, des lotissements, le marché, beaucoup d'autres choses qui sont à notre actif. Le prochain mandat, nous allons construire l'hôtel de ville. Nous allons également moderniser l'agriculture. Déjà, j'ai acheté un tracteur. Et à court terme, je vais acheter un deuxième tracteur, un troisième tracteur, ne serait-ce pour moderniser l'agriculture. Face au maire sortant, deux challengers. Le premier, Dierasouba Daouda, candidat indépendant, enseignant de profession. Il vient enseigner une nouvelle approche de la gestion communale. Il n'y a pas de voirie. Je vais m'atteler rapidement à reprofiler les rues. Nous sommes à une 80 km d'Odiné. Et quand il y a un malade grave, eh bien, il succombe sur la route. Il n'y a pas d'ambulance. Alors rapidement, nous allons réparer l'ambulance qui est sur cale. Et nous allons aussi équiper le dispensaire et pourquoi pas chercher à le transformer en un hôpital ultramoderne. Le second challenger, Fatoumata Diara, assistante de direction. Ses priorités, les femmes et les jeunes. Pour qu'ils deviennent des acteurs d'un nouvel essor économique, la commune. Nous allons réorganiser les femmes en groupement coopératif par village. Faciliter l'accès aux semences, rechercher des fonds pour l'extension du marché. Pour les jeunes, nous allons chercher des fonds pour les appuyer dans leur projet. Ma priorité, c'est de voir ma commune plus saine, plus propre et plus solidaire.